Bonjour à tous, c'est Daphné. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel Art Constructor Challenge. Et cette fois-ci, je vais construire. Quand même, on ne peut pas toujours faire du tout fait à chaque fois. Hein. Voilà, là, on va construire. Et on va réaliser une idée qui commence à bien monter, en fait, sous les dernières vidéos, à savoir une animalerie. Alors, à vrai dire, je ne sais pas pourquoi c'est autant demandé, surtout sur un jeu de survie comme celui-ci. Mais écoutez, moi vous me le demandez, ça me fait plaisir de le faire, donc je vais vous faire ça. Alors évidemment, il ne pourra pas y avoir toutes les espèces à l'intérieur. Je veux vraiment essayer de me fier à une animalerie comme on pourrait trouver de notre temps moderne, si je puis dire. Voilà, avec des animaux à acheter, entre guillemets. Donc voilà, je vais m'occuper de ça ici. Alors comme vous le voyez, il y a de l'eau, donc je vais essayer de faire un petit truc avec des poissons, bien sûr. Voilà, voilà. Bah écoutez, je vais arrêter de blablater et je vais m'y mettre tout de suite. C'est parti! We'll be right back.
We'll be right back.
Et voilà, après quelques heures plus tard de construction, ce que ça donne. Mais que se cache donc derrière cette grosse boîte? Et bien on va voir ça ensemble tout de suite. Allez, c'est parti. On rentre. Hop. Donc dans un premier temps, on arrive à l'accueil. Alors un accueil, tout ce qu'il y a de plus basique. Vous avez, comme dans les animaleries en fait, un coin en fait réservé à la nourriture des animaux, etc. Vous avez un coin peluche, jouet aussi, parce que bon, niveau mode, à ce niveau-là, on n'est pas très très bien servi. Donc voilà, j'ai fait comme s'il y avait un petit coin nourriture pour les animaux, quand on veut acheter, bah, je sais pas, les croquettes pour son chat par exemple. Et ensuite, on passe à toutes les premières petites bébêtes, qui sont les bébêtes en fait d'épaule pour la plupart, pas toutes, parce que par exemple le dystrosaure ça ne marche pas. Mais voilà, j'ai un peu mis les petites bébêtes d'épaule, les petites bébêtes mignonnes quoi. Voilà, bon, le pégo, il est là parce que c'est une bébête d'épaule, voilà, c'est pas parce qu'il est mignon. Bien que moi, les pégos, à part leur tête, je trouve ça rigolo. Bref, ça c'est un avis personnel. Mais voilà, en gros ce que ça donne, vous avez les premiers box, donc c'est les premiers éléments que les clients voient en rentrant dans l'animalerie. Et ensuite, pour ceux qui veulent d'autres bébêtes, eh ben, on passe par ici. Voilà, on va fermer la porte. Et voilà ce que ça donne. Donc là, vous avez tout type de bébêtes. Hein. Là, vous avez écu, loup, hyène. On va faire un premier tour, tiens, voilà donc. Là, vous avez tigre. Et ici, vous avez mégalania. Voilà, on va retourner à l'escalier. Juste ici, que vous avez aperçu. On retourne donc avec des hyènes. Et également avec des tigres. Voilà, j'ai pas mis toutes les espèces de arc. J'ai mis celle qui me semblait le plus pertinent, si je puis dire, dans une animalerie. Parce que très franchement, admettons, j'avais mis un rex. Franchement. Vous voyez un rex dans une animalerie? Moi, pas du tout. Donc voilà, j'ai fait en fonction de voilà, ce que moi je pensais être assez approprié. Voilà, le tigre, admettons, peut remplacer le chat. Les hyènes peuvent remplacer l'esprit des chiens. Même si, bon, là, elles veulent pas s'asseoir. J'ai essayé de les faire s'asseoir, elles veulent pas. C'est des chiens rebelles.
Voilà. Et il y a une dinoporte, bien sûr, parce que quand un client, admettons, bah, veut un poney, bah, il ne va pas sortir par une petite porte. Hein. Donc, il lui faut une dinoporte. Là-bas, bah, vous avez tout pour s'occuper des animaux, en fait, ici. Hein, voilà, parce que dans une animalerie, il faut bien s'occuper des petites bébêtes. Hein, mine de rien. Voilà, et ensuite, on va passer à l'espace aquarium. Alors, l'espace aquarium, en fait, c'est juste un couloir où on aperçoit les poissons, normalement, dans le contrebas. Voilà, il y en a ici. J'en ai fait spawn quelques-uns. Bon, ils veulent pas nager, visiblement. Ils sont peut-être en dépression de poissons, on sait jamais. Mais voilà, dans l'idée, voilà, il y a la vue sur les poissons. Et si jamais un client veut un poisson, eh ben, le vendeur, il a juste à pas faire comme moi, hein, il saute pas sur la barrière. Mais voilà, il passe par là, hop, et il est dans l'eau. Voilà, et il peut aller chercher les poissons choisis par les clients. Voilà, ça me semblait, je trouvais ça rigolo de mettre des poissons, parce que franchement, dans une animalerie, il y a des poissons. Alors, les poissons sur Ark, ils servent pas à grand chose, ils sont même pas tamables d'ailleurs. Donc, bon, je trouvais ça sympa de les mettre. Et ensuite, on passe à l'espace terrarium. Alors, bon, il y a des poissons, ok, c'était pour faire genre, ils sont jolis ces trucs de mode. Donc, voilà, je les ai mis. Vous avez des petits terrariums ici, donc là le serpent, ici l'araignée, et là c'est la grenouille je crois, ouais c'est ça, la grenouille, et là vous avez le terrarium que moi j'ai fait par contre. Vous avez deux boxes vides à votre droite, et là deux araignées, qui sont franchement, ce sont pas les araignées. Ouais, on va passer à ce duo, c'est plus mignon, regardez, il y a des petits bousiers, moi j'aime bien les bousiers, je trouve ça mignon. Et des petites grenouilles, dont une qui est en train de manger une porte. Tout va bien. Donc voilà, j'ai fait le tour de cette petite animalerie. Petite, tout est relatif. Mais bon, voilà, j'espère que j'aurai répondu à la demande. Parce que c'est vrai qu'animalerie, il commençait à avoir vraiment beaucoup de demandes à ce sujet. Donc j'ai vraiment fait au mieux pour répondre à ce que chacun voulait et espérait. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu et si j'ai répondu à votre demande. Écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Faut que j'arrête de sauter par-dessus les portes. Bref, j'arrête. Sur ce, moi je vous laisse. Bye bye les kikis.